Anthony Benezio. Ah bon? Ah oui. Il est là ce soir, il avait envie de vous revoir. Je m'en suis sorti, hein. Alors, bah, non, tu rigoles ou quoi? Tu te rappelles pas, effectivement, avec Gilles de la Marbella. Mais je t'en veux beaucoup, dis donc, parce que je t'ai écrit des tonnes de courriers, tu m'as jamais répondu. Fais pas l'innocent, j'avais bien la bonne adresse, Monsieur Jelin, 48 rue Dur. Enfin, j'ai pas donné ton adresse, on est à la télé, j'ai jamais eu de réponse. Mais c'est pas Monsieur Jelin, c'est Higelin, Jacques Higelin. Oui, c'est bien ce que je dis, Jacques Higelin. Non, c'est pas Jacques, c'est Jacques Higelin. Ah, j'ai toujours cru que c'était Jacques Higelin, vous saviez, vous? C'est pour ça que c'est jamais. Enfin, ça correspond à un mec qui m'avait dit, vous êtes nombreux dans la famille, Daniel, Xavier. Et Jacques, Jacques Higelin. Et Polo, d'ailleurs, il connaissait mon vrai frère. Ah bah tu vois, ouais, on n'a rien compris. Xavier Jelin, Daniel Jelin. Ah, ouais. Là où Anthony Benezio... Là où Anthony Benezio, qui est ici, est très fort, c'est qu'il vous a connu quand vous étiez cascadeur. Oui, bah oui, tu as fait quand même quelques cascades avec Gilles de la Marbella. Attendez, dis pas n'importe quoi. D'ailleurs, il était bon, c'est un des élèves les plus brillants. Bah, t'as quand même réalisé la cascade que personne voulait faire, le truc vraiment insurmontable. Il a eu une relation avec Brigitte Fontaine. Même Rémi Julien n'a pas osé. Alors, attends, c'est vrai, non? Ouais, non, il est pas sérieux du tout. Non, parce que... Il paraît que les cascadeurs sont assez... Non, c'est un comédien qui... C'est Rémi, Fifi et Loulou. C'est un mec qui va faire des sketchs avec eux. Si. Il paraît que les cascadeurs sont insensibles à la douleur. Là, par exemple, ce soir, je n'ai pas mal. Mais non, mais c'est vrai qu'on a pris des coups. Tu sais que quand t'as arrêté la cascade, hein, parce qu'il y a un moment où t'as arrêté... Il n'a jamais commencé. Il faut bien donner un début à l'histoire. J'ai été la doublure d'Yves Montand dans La Folie des Grandeurs et je me suis pris des coups. J'ai un coup d'épée là. Aujourd'hui, je suis totalement insensible. Je peux vous faire l'expérience. Ça, c'est un truc qui est très courant. Regardez, je peux m'enfoncer une aiguille dans le ventre et je ne sens absolument rien. Voilà, regardez. Hop là, voilà. Vous voyez? Regardez. Voilà. Ça, hop. Voilà, c'est pas comme un film. Voilà. Quelle horreur. Voilà. Ah, ça vient sortir. Voilà. Voilà. Regardez. Je vois pas. Tu vois, c'est quand même... Ça prouve que c'est bien réel. Ah oui, quand même. Tiens, regarde. Voilà. Bon. Vous ne sentez rien, aucune douleur? Non, rien même du pas... tout. Non, là, j'ai un peu mal, même quand même. Pas... Mais pas pour d'autres raisons. Ah bon, d'accord, on passe. Oui, on passe. Que dire. En tout cas, contrairement à Jacques Higelin, vous poursuivez aujourd'hui votre carrière de cascadeur. Oui, et ça, je vais te dire un truc, même si tu t'en fous, je suis fier d'être le plus vieux cascadeur de France. Par exemple, c'est moi qui double Victor Lanoux dans Louis la Brocante. Et donc, outre les cascades, je suis également testeur pour le troisième âge. Testeur pour le troisième âge. Oui, c'est ça. C'est-à-dire? Eh bien, par exemple, quand une grande marque veut lancer un produit sur le marché pour les seniors, eh bien, avant de savoir s'il est viable hein, pour les gens âgés, eh bien, je le teste dans des conditions extrêmes. Voilà. Quel genre de produit, par exemple? Eh bien, dernièrement, une grande marque de sacs à main. Moi aussi, j'ai eu l'absence. Oui, je vois ça. Personne ne m'aide ce soir. Tu vois, il y a une grande marque de. Tu ne portes pas de sacs à main, par hasard? Non, bon, ça peut être. Mais par exemple, les dames âgées portent des sacs à main. Et c'est vrai qu'elles sont sujettes au vol à la tire. Tu sais, les jeunes garçons en mobylette, ils leur prennent. Donc, il y a une marque qui a créé un nouveau sac à main avec une anse ultra résistante. Et on m'a demandé de la tester pour savoir si elle était vraiment incassable. Mais regardez les images, parce que. On a fait le test il y a peu de temps. Regardez, voilà, je suis dans la rue en simulation. Donc je m'habille en vieille dame, j'ai le sac à main incognito, hein, on peut croire que je suis une vieille dame, mais regardez le scooter qui passe. Il avance le sac à main. Je reste accroché, voilà, pour être sûr que le sac à main tient bien. Au bout d'un moment,
c'est trop résistant, les voleurs lâchent, et moi, j'ai encore le sac à main dans un parfait état, ce qui prouve qu'il est bien résistant, qu'il est viable, et donc qu'il pourra être mis sur le marché. Ah, vous testez les sacs à main, donc. Voilà, entre autres, qu'est-ce que vous testez d'autre? Je teste... ça va t'intéresser, Jackie. Je suis sûr que ça va intéresser, Jackie. Par rapport à la musique. Par exemple, un autre test qu'on me demande souvent, c'est avant de lancer un 45 tours sur le marché... Un single, hein, un single, oui, si vous préférez, je sais pas ce que c'est. C'est pour tester sa dansabilité, pour les seniors. Sa dansabilité, savoir s'il est dansable, s'il n'est pas trop dangereux pour les personnes âgées. Hein, d'ailleurs, je vais vous faire une démonstration, je vais vous montrer comment ça marche, parce que je fais ça avec ma partenaire de test. Tiens, Janine, viens par là, viens. Ça, c'est Janine. Oui, Janine, c'est ma meuf, c'est une junkie que j'ai récupérée dans le caniveau et qui partage ma vie avec lui. Et là, chérie. Alors, je vais te montrer comment ça se passe, tu vois. Par exemple, on met une musique, voilà, on me demande de tester André Rieu pour savoir si ça peut bien passer dans une maison de retraite. Donc, envoyez la musique, voilà. Voilà, donc là, on se fait chier, on attend la mort, on sent bien que c'est une musique de vieux, donc il n'y a pas de problème. On valide le single, c'est bon, arrêtez la musique, voilà. Alors, on peut faire le test, par exemple, avec une de tes chansons. Hein, on va essayer avec Champagne, tiens, voilà. Alors, allons-y. Voilà. Tu vois, là, déjà, c'est désordonné. Janine a du mal à donner du répondant. Non, ça ne marche pas. On voit, tu vois, ça, par exemple, c'est pas de la musique de troisième âge. Oui, mais non, mais ça ne fonctionne pas. Donc ça ne peut pas être mis sur le marché. Ça ne correspond pas aux personnes âgées. Mais puisque Monsieur Chen et Star sont là, on peut faire un essai avec NTM. Est-ce qu'on peut envoyer une musique de... Allez-y, une musique de NTM. Voilà. Ah, bah alors. Mais qu'est-ce qui... Bah, enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais t'es dingue ou quoi? On arrête les Janine. Bah voilà, là, alors par là, bah voilà. Voilà, alors là, il y a un comportement irresponsable. Elle refuse la soumission à l'autorité. Donc voilà, on sent bien que c'est une musique qui n'est pas faite pour le troisième. Bah, voilà, voilà. Bon, écoute, je vais la ramener parce qu'il faut que je la mette au frais. Tu vois qu'il y a un problème. Mais calme-toi, Janine. Ouais, oui, non, je vais la ramener parce que tu vois, il faut la... On va te mettre au frais. Viens, ma Janine. Voilà. C'est parti du bois, la formation, bien sûr. C'est du grand bien sûr. Ciao, mon ami. Ciao.